Bon allez, c'est l'heure de vérité aujourd'hui. On a raté le Farmal à la meilleure gueule. Ça passe, mais c'est vraiment plein. Faut vraiment faire gaffe de la redémarrer au fur et à mesure quand on fait le trajet, parce que ça se joue au mètre près. Donc là, mon père est en train de donner. Donc pour répondre un peu à toutes vos questions de l'autre jour, j'ai pas répondu aux commentaires, j'avais pas le temps. Donc grosso merdo, pourquoi pas une automotrice à la place du tracteur et de la mélangeuse? L'automotrice, ça coûte 200 000 euros, une Lucas 24 mètres cubes, 4 roues motrices, fraise 165 chevaux. Donc c'est au moins 200 000 euros, à mon avis ça a dû augmenter vu ce qui se passe actuellement. Vu que tout augmente, donc je vois pas pourquoi le matériel agricole aurait pas augmenté. Donc voilà ça. En plus, l'automotrice, on peut pas charger en bas tout ce qui est concentré et tout, parce que ça passera pas dans le bâtiment. Faudra en plus charger au télescope. Et c'est sûr, une automotrice, c'est une super machine. Ça irait vraiment bien pour faire ce qu'on fait. Vu qu'on a des silos un petit peu partout. Bon. Mélange bien homogène. Sent vraiment bon ce nouveau silo d'air. Donc voilà. Après, il y en a qui avaient dit... Qu'est-ce qu'il y en a qui m'avaient dit? Je ne me rappelle plus exactement de toutes les questions qu'il y a eu, mais l'automotrice était beaucoup ressortie. Après, il y avait le tracteur d'occasion, mais bon, vu que il faudra bientôt qu'on change de toute façon le Farmal, parce qu'après on aura une plus grosse mélangeuse, ça m'embête un peu d'acheter un tracteur d'occasion en plus. Et donc voilà, mais bon, pour le moment ça remarche. On va voir si ça marche longtemps, mais bon, déjà pour le moment ça remarche. Bon, un jour ça marche et des fois le lendemain ça marchait plus, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Et vous avez faim, au fur et à mesure qu'on donne, tout le monde arrive. Bon, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Allez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, donc vidéo très courte, mais voilà, je voulais vous refaire un petit bilan sur la mélangeuse. Donc moi, tout de suite, je vais atteler un nouveau matériel de la Cuma qui s'attelle à l'action. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, allez, moi je vous dis à dimanche pour la vidéo. Allez, bonne journée à tous.